Alors, aujourd'hui, je suis en brousse et il fait très 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 chaud. Et hier, je suis allé chez mon ami Jean-Paul qui a des crocodiles. Et alors, je suis en train de chercher la piste des phacochères. Et puis, parfois, il y a des zébus aussi. Et là, je vois, il y a une piste. Et pourquoi je cherche les phacochères? Parce que je veux voir. Tiens, il y a un os ici. Ouais, il y a pas mal d'os. Je veux voir où ils vont s'abreuver. Et là, près du marigot, je trouverai sans doute des traces de crocodiles. Je vais aller par là. Voilà, il y a des traces ici. Peut-être là-bas. Tiens, ici, voilà, il y a des plumes. Donc, il y a eu un oiseau qui a été mangé. Voilà, il y a des traces ici. Alors, par ici. Est-ce que... Non, par là, c'est pas bon. Et alors, ça pique ici, hein, il y a des buissons. Faut faire très attention. Je vais aller par là. On va bien trouver l'endroit des crocodiles là. Est-ce qu'ils sont passés par là? Voilà, j'ai trouvé l'endroit. Alors ici, il faut faire attention. Voilà, c'est ici que les bêtes viennent s'abreuver. Alors, il y a du bruit derrière. Je vais faire attention. Là-bas, il y a les oiseaux. Donc c'est le marigot. Je ne vais pas m'approcher tout de suite. Je vais continuer un petit peu le chemin ici. Ah, j'entends, ça bouge. Bon, peut-être que je vais revenir parce que je ne suis pas armé, j'ai pas de couteau. Et il est bien d'avoir un couteau de brousse quand on vient par ici. Au cas où. Bon, je vais me replier, je vais chercher le couteau.